La voix n'est pas très assurée, mais ça doit être à cause de l'émotion, ou peut-être de notre caméra. Le fait est que ce n'est pas tous les jours qu'Amir a l'occasion de chanter en persan, la langue de son pays. Heureusement, son ami et compatriote Saïd Aké est là pour l'aider et lui donner du courage. Les chanteurs, les musiciens, le public, tout le monde ici ce soir est là pour partager un moment de joie. Une parenthèse, synonyme de sérénité retrouvée pour ces résidents des Capucins. Le couvent, cédé par le diocèse à Caritas après le départ des frères Capucins en 2016, accueille depuis cet été des réfugiés, des familles et des personnes isolées. Ils sont 72 à vivre ici, tous bénéficiaires de la protection internationale sous statut de réfugiés ou de la protection subsidiaire. Ils sont originaires d'Afghanistan, de Tchétchénie, du Soudan. Tous ont risqué leur vie sur les routes de l'exil. Beaucoup ont attendu de longs mois avant que leur demande d'asile n'aboutisse. Ils sont passés par des centres d'accueil débordés, des hôtels miteux ou même par la rue. Mais ici, c'est bien le début d'une nouvelle vie qu'ils construisent. Quand je suis entré, j'ai oublié tout, je prends un respirer, j'ai un nouveau respirer, ça change, j'étais tranquille pendant, je crois que c'est pendant 3 jours, je dors bien. Quand on avait bonne sécurité, dans un pays qui n'est pas de talibans, pas de maison garde, pas de guerre, pas de tout ça, on était tranquille. On avait en Afghanistan aussi beaucoup de choses pour la guerre, pour la, tout ça. Trop fatigant, c'est trop fatigant. Mais maintenant, c'est trop tranquille, c'est bien maintenant. Amir, 20 ans, a pris quelques mois de cours de français. C'est donc avec ces mots qu'il tente de nous expliquer son dangereux périple en solitaire pour fuir les talibans qui menacent toute sa famille. Sa fuite à travers le Pakistan, l'Iran et ses prisons, la Turquie, la traversée sur un canot pour la Grèce, puis la remontée à travers l'Europe, une dizaine de pays en tout. Un parcours tragiquement banal pour les résidents des Capucins. Souvent, c'est des gens qui ont des parcours un peu hachurés, qui ont été hébergés à droite, hébergés à gauche, qui ont eu un parcours un peu chaotique entre la fuite, l'exil et les différents centres d'accueil où ils ont pu se trouver. Donc, avant de pouvoir intégrer un logement autonome, ces gens ont besoin d'un temps de se poser, de faire le point, de rompre avec le passé et de se projeter dans un avenir, de créer un projet. Et la résidence Les Capucins, l'accompagnement proposé par l'équipe des Capucins, veut aller dans ce sens. 5 travailleurs sociaux sont au service des réfugiés et de leurs familles. Éviter le pavé. Point. Pavé. Point. Ils les accompagnent lors d'entretiens individuels ou d'ateliers collectifs. Le fait d'être dans un ancien couvent, pour nous, ça veut dire beaucoup parce qu'il y a déjà cette sérénité qui se dégage des lieux. C'est un magnifique espace. Nous avons des espaces extérieurs et intérieurs baignés de lumière. Et pour les résidents, alors pour certains, ça ne veut rien dire, mais pour d'autres, il y a quand même une signification de tomber là comme si le destin les y apportait. Enfin, ça, c'est ce que disent certains résidents. C'est le fait de se retrouver dans un couvent, c'est que quelque part, ils ont trouvé une lumière et c'est là où ils ont envie de se poser, pour certains. Les personnes sont accueillies ici pour 6, voire 9 mois, un temps court, mais qui permet d'avancer. Ainsi, Amir travaille depuis quelques mois dans un restaurant social et solidaire, les 7 Pins, au cœur de Strasbourg. C'est pour toucher un peu de l'argent, pour la être vivre. En fait, si je ne travaille pas, je ne peux pas continuer pour mes études, des trucs comme ça. Aussi, il faut que je travaille pour la être vivre, pour avoir un logement, pour tout ça. Mais je suis content pour travailler ici, pour la bénéficier de travail. Je suis content avec toutes mes équipes ici. Un travail qu'il prend très au sérieux. Une fierté retrouvée pour ce jeune homme au caractère bien trempé. Moi, je n'aime pas toujours. Toujours, je vois le gouvernement qu'il m'a envoyé quelque chose ou pas. Je vais travailler, je suis un homme, il faut que je fasse
travail, il faut que je gagne, il faut que j'aide pour les autres. Je suis énergétique, j'ai énergie, il faut que je travaille, je ne suis pas vieillé, je ne peux pas rester toujours endormi, que le gouvernement m'aide comme ça. Pour le service, ce sera 2 saucisses par personne, une escalope de porc par personne, et ceux qui ne mangent pas de viande, on aura les œufs durs de par personne. Avec de, sauce, avec de la sauce tomate, je vais vous la ramener. C'est bon. Merci beaucoup. Il ambitionne de suivre des études de droit à l'université de Strasbourg, mais il le sait, le chemin sera long. Premier escalier, il faut qu'on monte doucement, doucement, doucement. Les premiers escaliers, il faut que je fasse ça. Les premières pour la montée, plusieurs escaliers, il faut qu'on monte premier. Après le deuxième, comme ça, on peut jusqu'à arriver d'objectif. Je vais faire mes études pour être pour mon pied ou pour les gens, peut-être en France, mais à la fin, en Afghanistan, c'est mon objectif et il faut que je fasse quelque chose pour mon pied parce qu'ils sont vraiment dans une situation compliquée. Et chacune des attaques meurtrières perpétrées à Kaboul ces dernières semaines vient encore renforcer la volonté d'Amir. Amir, 20 ans, déjà une vie derrière lui et toute une nouvelle à écrire. En France, en Afghanistan ou ailleurs.